Bonsoir les gens, c'est Gorogorcillon qui vous parle en direct de Montplifrou, des royaumes d'Amalur à Iconing. Nous en sommes à la 15e partie et nous étions dans une quête dans laquelle nous devons tuer des Jotun. Les Jotun, c'est ça. Ne me demandez pas à quoi ça ressemble, j'en sais rien. Et d'autres, ben on va le faire. Hein. Alors j'espère que vous allez bien, que ce Splifrou continue de vous plaire. Et là-bas, il y a une porte. Je suis curieux, je vais ouvrir la porte. Ah zut, ce sont des dagues. Par contre, l'autre, je crois que c'est un pantalon. Je crois que ce sont des dagues. Ouais. On va tester un peu une fois les decks pour changer. Ah ben non, j'ai pas les compétences. Pantalon. Effectivement, c'est pour moi. Ah, ça change un peu le look. Ouais, ça reste très noir, très gris. Enfin, c'est logique, mais en même temps. Si je m'habillais en rose fluo, je crois que j'aurais encore plus de mal à être discret. Déjà comme ça, j'y arrive pas. Ah, on va pouvoir être discret pour une fois. Je me demande si j'arrive à les one-shot ces trucs. Non, ça aurait été trop beau. Ah, t'as encore essayé de me mettre un coup de bide. Ça 3 sur 10. J'en suis pas à 4. 1. Merci. Alors bon, je vais me faire probablement repérer par celui qui regarde par ici. Bah, ils se regardent les uns les autres, alors. Bon, bah, on va pas s'embêter. Coucou. Dans ton gros vide. Quand je l'ai écrasé, ça te fera maigrir.
Oh, dommage. Oula, j'ai ramassé plein d'armes. Une amulette. Oula, 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 doucement. Non, pas ça. Hop. Plus 20 de mana. Super, ça me sert à rien. 10 concessionnaires, 10 rien, on s'en fout. Alors, rien. 0 mana, 1 régénération de mana. Ça, c'est mieux. Gantelet assassin. Sauf que c'est du fer. Ok. Arme secondaire. J'ai envie de tester un petit peu quand même. Même sans avoir les compétences. Ruine d'ondoyante. Ah bah on va pouvoir tester. Ouais. Évidemment sans compétence, c'est pas le même. À nouveau, je peux rien faire. Ah, je t'esquive. Bon, j'ai déjà un en moins. Ah, c'est plus de flèche. Bon, bah, il est mort. Il est mort par le poison. C'est pas mal non plus. Bon, bah, trouvez la sortie. Merci. Non, je vais rester là, ad vitam aeternam. En fait, je trouve l'endroit très sympa. Je vais camper. J'ai de l'eau probablement là en bas. Enfin, je sais pas, ça a l'air profond. De toute façon, c'est une ville, donc il doit bien avoir à manger. Bon, ça doit être pourri depuis des années, mais c'est pas grave. Par Telogrus, vous m'avez fait une sacrée frayeur. Que faites-vous ici? On dirait que mes Jotun ont failli à leur devoir. Mais est-ce pas d'Access qui vous envoie? Ou Lysander, peut-être? Dites-moi tout, ces imbéciles ne savent pas de quoi je suis capable. Ça me paraît clair quand je vois celui qu'ils ont envoyé pour m'arrêter. Quoi? Vous êtes sur mon chemin. Vous avez l'air surpris de me voir ici? Comme si vous n'étiez pas là pour m'arrêter.
Mais vous arrivez trop tard. En ce moment même, mes serviteurs immortels se réveillent de leur sommeil profond. Non, je crains de... Il a l'air complètement trimbé, le mec. Mais répondez à ma question, et votre supplice sera bref. Qui vous envoie ? Padaxès ou Lysander ? Je ne sais même pas qui est qui. Je sais pas. Je sais pas qui est qui, donc... Lysander, allez. J'aurais dû m'en douter. Comme si un alphard pouvait être un obstacle pour moi. Mais peu importe. Mon sort invoque de gigantesques légions. Bientôt, je les anéantirai tous. Quant à vous, vous avez mérité votre récompense. Votre supplice sera bref. Le tien aussi. Là, il y a plein de squelettes. Voilà, il n'y a plus de squelettes. Je sais même pas qui était Lysander ou Paradex, je sais pas de quoi il me parlait. Là, il y a un livre par contre. Les inscriptions, là là là, c'est facile, là là là. Ville d'or, blabla, gna gna gna, symbole étrange. C'est pas grave. Un truc de sorcier. Donc là, il y a un coffre. Okay, des objets qui ne me servent à rien. Ah bah voilà, quoi, un donjon de fini. Bonjour. Eh bien, on dirait qu'une manne vient de nous tomber du ciel. Bienvenue dans le camp des pérégrins, poussin. Et alors, vous n'êtes quand même pas tombé sur notre camp par hasard? Complètement. Allez, demandez donc. Demandez à rejoindre notre joyeuse bande. C'est pas chez les pérégrins que j'ai tué la gonzesse. Eh bien, j'ai vu des rubis de la taille de mon poing, des créatures de liane et même un Jotun qui pleurait. Mais ça, c'était une première. Pourquoi s'enrôler? Les pérégrins sont des voyous notoires et de bonnes gens. Si vous vivez dans l'ombre en marge des lois, nous sommes ce qu'il vous faut. Vous voulez la richesse? Nous volerons avec vous. Vous voulez la gloire? Ils chanteront vos louanges. Vous voulez de l'aventure? Ne cherchez plus. Ok. C'est ce que j'ai pensé en vous voyant. J'ai un bon pressentiment à votre sujet. Mais l'on donne ici moins de crédit aux sentiments qu'on le devrait. Je vais vous envoyer auprès de la chef de camp, Krilgarin. Elle vous dira quoi faire. Encore des quiettes. Non. Oh, je vais jamais en sortir. C'est quoi toutes ces quêtes? Camp de l'étoile. Que désirez-vous? C'est à toi que je dois parler? La poussière se soulève pour vous accueillir. Ah, mais t'es une faillée, toi? Bienvenue au camp de l'étoile. Grimm vous a jugé digne, mais il vous reste une autre personne à convaincre. Notre guide, l'anonyme Hiérophante. Allez à l'hôtel de l'Hiérophante et priez, comme doivent le faire tous les pérégrins. Nous avons de nombreuses libertés, mais également un devoir. Un pérégrin vit de ses mains et de sa ruse. Il en va de même pour vous. Les objets du marchand Idon viendront compléter ses compétences. S'il le faut. Ok. Puisse le destin vous sourire. Bon, ben, faut que je parle à une statue, apparemment. Qui vient se prosterner devant moi? Un tourbillon dans la rivière du destin, une fausse note dans la litanie d'Amalur. Votre présence me surprend. Mais vous êtes venu et avez prié et honoré nos croyances. Vous souhaitez devenir pérégrin? Alors demandez à connaître mes présages. Bah oui, ok. Le prix de votre enrôlement est élevé.
Il faudra 3 trésors pour alléger le fardeau. D'abord, il y a un noble, Elfwy Grilricas, qui vit à Didonil. Volez son médaillon. Puis, dans la mission non loin, récupérez le linceul du défunt Saint-Eidric. Enfin, récupérez les cure-dents de Drow. Nous avons prévenu le propriétaire Gunnar Frodé que nous les lui achèterions, mais vous les lui volerez. Ok. Oui, et quelques mises en garde. Elfwy Grilricas est plutôt hargneux. Il ne se laissera pas approcher facilement. Le linceul de Saint-Eidric se trouve dans sa tombe, qui est très fréquentée. Attendez d'être seul avant de vous en emparer. Enfin, Gunnar Frodé est malin. Il n'aura pas les dagues sur lui ni à proximité. Ne l'oubliez pas. Encore des quêtes. La route est mon marché et le commerce ma vocation. Vous êtes là pour vendre ou pour acheter ? On va déjà commencer par vendre. Je suppose que t'as des crochets, toi. Situation digne, gna gna gna. Ça aurait été étonnant que des voleurs aient pas des crochets. Toujours prêt à faire des affaires. Bon, ben, nous voilà encore avec 20 000 quêtes. Pourquoi j'ai cette quête-là? Je m'en fous. Alors, on va commencer par ça. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Je vais commencer par ces deux-là, vu qu'on n'est pas loin. Oui, je sais, je suis censé faire les missions autour de Didonil, mais bon. Ça me fera toujours des points de téléportation pour plus tard, on va dire. Ah, ok, je suis pas sorti par la bonne porte, j'ai l'impression. Pas grave. De toute façon, c'est sur le chemin. Ah, voilà qui est mieux. Donc là, c'est la ville. Oh, il y a encore une quête, mais c'est pas vrai. Des quêtes dans ce jeu. Qu'est-ce que t'as, toi? Je me réjouis de vous voir, mon enfant. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. J'ai une requête à vous soumettre. C'est très égoïste, mais si vous avez le temps... Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est au sujet de mon ami, frère Padrick. Il est parti à l'aventure voilà près d'un an. Il trouvait la vie de moine trop insipide. Il avait entendu parler d'un trésor dissimulé dans une sortie cachée des fonds de Fond de Pierre, et disait qu'il pourrait le découvrir s'il campait quelque temps à Axi. Mais le temps a passé et je n'ai toujours aucune nouvelle. L'inquiétude me ronge, et je pensais que vous pourriez vous enquérir pour moi de ce qui lui est arrivé. Tu te doutes quand même qu'il est mort, quoi, non? Que Mitaru vous bénisse et veille sur vous, mon enfant. Merci de tout cœur. Je me sens déjà soulagé de savoir que vous allez vous en charger. Si cela peut vous aider, commencez par chercher dans les fonds de Fond de Pierre. C'est le seul endroit dont il m'ait parlé. Bonjour. Bien. Un des apprentis de l'abbé Taïr a disparu. Je me demande ce que ça cache. Bienvenue. Tu
Je vais regarder ailleurs, s'il te plaît. Merci. Zut. Voilà un autre moyen d'être seul. Rivière. Qu'est-ce que ça raconte d'intéressant? Mitaru, blablabla. Ah, c'est une Bible en fait. De la connaissance dans l'ordre. Pourquoi il ne faut pas craindre le chaos? C'est bien le chaos. Ok, ça fait chier personne, non? C'est bon. Ok. J'ai tué quelqu'un, tout le monde s'en fout. Ça m'arrange. J'ai un truc à récupérer par ici. Peut-être à l'étage. Oh. What the fuck? Mardi. Journal de l'abbé Ether. Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'alcool. Bon, apparemment, on va ramasser plein de livres. Je vais les lire tous derrière. Sinon, chaque fois, je vais aller dans l'inventaire. Un bréviaire encore. Encore la clé du bureau. Jeudi. Donc, on a chopé. Ça, on s'en fout. J'ai chopé jeudi. Et de l'alcool. De la boisson et de l'excès de débauche. Samedi, boîte de rangement. Qu'est-ce qu'il a fait samedi? Oh, il a vu une étrange jeune fille. Se sont passées des choses, j'ai l'impression.
Bienvenue à la mission de Saint-Edric. Je suppose que vous êtes venu voir l'abbaye Tahir. Il reçoit souvent la visite d'individus fascinants. Ses quartiers se situent au deuxième étage du dortoir. Il consacre le plus clair de son temps à ses recherches. Je n'y entends absolument rien. Il est mort. Non, ils avaient des différends, mais je n'aurais jamais cru que ça tournerait au meurtre. Que ça tournerait meurtre, bien sûr. Comment a-t-il pu permettre un tel acte ? L'abbé Tahir et son apprenti, le frère Wolf. Ils étaient inséparables, comme un père et son fils. C'est leur passion pour l'alchimie qui les a réunis. Mais leur relation s'est dégradée après leurs travaux de rénovation du puits. J'ai encore vu Tahir aller tirer de l'eau ce matin même. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Quelle tragédie. Vous êtes libre de fouiller nos quartiers. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à élucider cette triste affaire. Lahiria vous bénisse, mon enfant. Fouiller le bureau des terres, c'est déjà fait. J'ai déjà fouillé le bureau. Descendre dans le puits de la mission. Ah, ok. Si tu le dis. Quoique je m'en fous un peu. J'ai une autre quête sur les bras pour le moment. Et vu que maintenant j'ai le point de téléportation, on le fera plus tard. Des beaux cartes. Aïe. Ah, je me suis trompé de toucher finalement. Minable petite chose. Il y a encore 10 000 quêtes ici. Oh là 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 là. Je dois te parler. Eh bien, c'est toujours agréable d'avoir de la visite. Vous êtes le pérégrin que j'attendais, n'est-ce pas? Si nous parlions affaires. Ouais, j'ai récemment été contacté par le camp de l'Étoile qui désirait m'acheter des dagues que j'ai acquises au péril de ma vie. Il me semble donc légitime de changer les termes de la vente. Je veux un paiement comptant. Je vous dirai ensuite où récupérer les dagues. Ceci étant dit, vous pouvez me payer maintenant et on n'en parle plus. Ça va pas, non? Vraiment? Si c'est comme ça, je ne vous dirai pas comment obtenir les cure-dents de Drow. Et avant que vous ne tentiez de me jouer un mauvais tour, ne vous avisez pas de me voler les dagues. J'ai dissimulé les cure-dents dans le Cidé. Pour les trouver, il vous faudra une carte soigneusement enfermée dans un coffre-fort dont la clé se trouve en sécurité dans ma poche. Ça, je peux crocheter la serrure, il n'y a pas de souci. Hein. Au revoir. Alors, toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Bienvenue dans notre refuge du Cidé. Je m'appelle Citric Vorm. Avec mon frère Aros, nous aidons les voyageurs qui en ont besoin. Vous avez l'air plus robuste que les mollassons qui passent par ici d'ordinaire. Vous pourriez peut-être m'aider? Plusieurs voyageurs venant de Détiré ont été sauvagement attaqués par des Ocrins. C'est inhabituel. Les Ocrins du Cidé ne sont pas agressifs d'ordinaire. Ils restent entre eux et n'attaquent que si on s'en approche. Si un groupe d'Ocrins tend des embuscades aux voyageurs, il est impératif de faire quelque chose. Si ça t'amuse. Bien. Je veillerai à ce que vous soyez récompensés pour vos efforts. Je n'en reviens toujours pas que ces Ocrins soient aussi agressifs. C'est très étrange. À un de ces jours. Toi, qu'est-ce que t'as à me dire? Bienvenue dans notre refuge. Je suis Arosborn. Je m'étonne que vous soyez parvenu seul jusqu'ici. Le Cidé est une région dangereuse. Luca Soren, la pauvresse dans la pièce voisine, n'a pas eu cette chance. Un calamite l'a attaqué. C'est le genre de rencontre qui est fatale d'habitude. Elle s'est traînée jusqu'ici avant de s'évanouir. Et comble de malchance, elle a développé une violente réaction au venin du calamite, généralement sans danger. La seule chose qui puisse la sauver est une plante très rare, qui pousse dans le Cidé. Mais je ne peux pas m'y aventurer. Ok. Vraiment? Eh bien, si vous pouvez m'en apporter, je vous récompenserai de mon mieux. On m'a dit que l'asepsie pousse près des eaux vives et embrumées. Vous en trouverez peut-être au nord de la rivière. J'ai cru entendre un jour le grondement de cascades là-haut.
mais je ne suis jamais allé assez loin pour vérifier. C'est le CID, vous comprenez. Je vous verrai plus tard. Ah oui, il y a la folle qui m'a repéré, qui me regarde. Ah voilà. Bon, vous, je m'en fous. J'ai piqué ta clé. Mais oui, j'ai mis ma clé. Je sais pas, moi. Visiter la salle des artisans. Je sais pas, il y a eu un courant d'air et sa clé s'est envolée tout d'un coup. Oh putain, ça perpète. Peut-être pas rester là. Bien le bonjour. Oui, pas de quoi. Sinon, il va avoir des doutes après. Donc, je vais arrêter cette partie ici. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, les commentaires et les pouces verts. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Gorogorcillon en direct de mon plifrou des Royaumes d'Amalur, Raikkonen. A bientôt pour la suite.